Nous n'arrivons à question 3. Ici, il dit let z is equal to square root 3 plus i partie a express z in the exponential form. Alors, un complexe number z pour te faire living the exponential form. Deux informations bien importantes, c'est ce modulus et ce argument. Alors, nous complexe number z ici, il dit square root 3 plus ni. Ok, alors, il peut demander modulus de z. Modulus de z pour gagner par positive square root 2. Real part, le square root 3, nous pouvons faire ce square, plus imaginary part, ici dit n, ce square, nous pouvons faire positive square root 2, square root 3, ce square fait 3, plus n, ce square fait n, positive square root 2, 4, réponse pour venir 2. Ça c'est modulus de z. Pas ça qui nous répond, mais nous pouvons besoin de cette information là pour répondre à nos questions. Next, nous avons argument de z. Ok, next step, c'est votre argument de z. Right. D'abord, nous pouvons checker nos complexes numbers qui quadrant les lies. Alors, nous trouvons le square root 3, real part, imaginary part, li ni. Alors, au complexe number z, les trouvons le first quadrant. Alors, c'est le first quadrant où valeur argument de z, vous gagnez par sa valeur alpha là. Et alpha, vous gagnez par tan inverse de imaginary part, li n, divisé par real part, li square root 3. Alors, si vous évaluez, li, là, il n'y a pas de degré au radian, ou guettez où. Ok, allez, nous essayons de faire en radian, si nous faisons tan inverse de n divisé par square root 3, nous faisons pi by 6. Alors ici, nous pouvons pi by 6, ça c'est argument de z. Alors, nous modulus de z qui nous représente par r, les 2, et que nous argument de z qui nous représente par theta, ici c'est pi by 6. Alors, question dire, donne-moi z in exponential form. The exponential form and complex number, because de sa format là, r e power i theta. Alors nous complexe number z pour venir r. Nous valeur ALC, modulus de z li 2, e power i, et theta li pi by 6. Alors ça c'est nous complexe number z in exponential form. Next part B. Hence or otherwise, express z power 4 in this form. Alors z power 4. Pour nous gagner z power 4, nous pouvons prendre z, le square root 3 plus i. Là, nous faisons power 4. Là, nous pouvons passer par binomial expansion. Mais il n'y a pas de passer par cette méthode-là. Il y a service ce que nous gagnons dans la partie A. Et qui nous fait dans la partie A, on fait z vint dans exponential form. Il vint 2i power i pi by 6. Alors là, nous pouvons z power 4. Nous servons ce format-là, exponential form. Nous pouvons z power 4. Alors z power 4, à droite aussi, nous pouvons mettre power 4. Ici, vint pi by 6, power 4. Ok, next, nous servons la loi indices. Nous pouvons porter sa power 4 là avec tous les DTM. Nous pouvons 2 power 4, ça c'est z power 4. 2 power 4 fois i power i pi by 6 power 4. Alors, z power 4 pour 2 power 4, 2 fois des 4 fois des 8 fois des 16. Après, nous pouvons i power ici. Nous pouvons servir power law. Nous pouvons multiplier ça 2 power là. I pi by 6 times 4 qui nous pouvons venir. Divise par 2 fait 2, divise par 2 fait 3. Les bovines 2 pi sur 3i. Alors ici, les bovines 2 pi sur 3i. Alors ça, c'est z power 4. Et z power 4, vous trouvez, les bovines de format r e power i theta. Alors, vous pouvez lire z power 4 sur valeur r et theta. Alors, sur valeur r, ça veut dire modulus de z power 4. Right? Ça, c'est sur valeur r. Ça veut dire sur modulus, les bovines 16. Next, sur valeur theta, ou soit argument de z power 4. Ici, il peut venir 2 pi sur 3. Et question qui nous dit, express z power 4 in the common form. Ça veut dire dans common logarithme, complex number 4. Alors, z égale x plus i, y. Next, nous apprenons. Si n complex number z power 4, là, nous allons dans exponential form. Comment nous faire living the form x plus i, y? Alors, nous connaissons valeur R, nous connaissons valeur theta qui nous fait living the trigonometric form first. The trigonometric form, nous reste comme ça, R cos theta plus I sine of theta. Alors, nous remplacer valeur R ici, 16, fois cos of theta, theta, 2 pi sur 3, plus I sine of theta, toujours, 2 pi sur 3. Next, nous pouvons évaluer Z pour 16. Cos de 2 pi sur 3, nous évaluons 2 pi sur 3, pas oublier calculatrice de mode radian, il est négatif half. Ça, il est négatif half. Plus i. Alors, ça, ça nous fait sine de 2 pi sur 3. Ça, il est root 3 sur 2. Ça, il est root 3 sur 2. OK, next, ce qu'il nous faut faire, nous pouvons expandre, nous pouvons pousser ça 16 ans dedans.
OK, qui peut arriver? Z pour venir 16 fois négative half, venir négative 8, plus i. À ça, 16 fois root 3 sur 2, il peut venir 8 root 3. OK, alors, nous complexe number z, de format x plus i, y, il peut venir négative 8 plus 8 root 3 i. OK, ça formate la même qu'il nous pouvons faire, ce n'est pas z, mais c'est plutôt z power 4. OK, z power 4. Right, nous avons une réponse pour z power 4 de format x plus iy, leaving négative 8 plus 8 root 3 i. Question 4, partie A. Express négative 2 plus 2 square root 3 i in the trigonometric form. Alors ici, nous avons un complexe number, nous avons dit notre par z. Alors z est négative 2 plus 2 root 3 i. Alors, nous pouvons faire l'ivine de trigonometric form. De trigonometric form, ce qui est important, nous avons le modulus, valeur R. OK, R, c'est modulus de Z. Nous gagnons par positive square root de real part sur square plus imaginary part 2 root 3 sur square. Alors, l'ivine, négative 2 sur square fait 4 plus 2 root 3 sur square fait 4 fois 3 fait 12. L'ivine positive square root de 16. Réponse pour l'ivine 4. Next, nous avons besoin de nous valer theta. Theta, c'est argument de z. Avant, nous avons besoin de checker nos complex number de qui quadrant est trouvé. Alors, négative 2 ici, et 2 root 3 ici. Alors, nos complex number z, il vous trouve là. OK, alors là, nous pourrons nous valer alpha first. Pour nous valer alpha, nous avons besoin de checker ce triangle là. Si nous checkons notre triangle, OK, sa distance à les deux, sa distance à les 2 root 3, nous avons besoin de alpha first. Alors, nous valer alpha pour venir. Tan inverse de opposite les 2 root 3 sur adjacent les 2. Alors si nous évaluons, nous pouvons pi by 3 de radian. Et nous, by definition, argument c'est depuis positive real axis, ok, anticlockwise pour la ligne OZ. Alors ça c'est valeur theta, nous pouvons gagner par pi retiré alpha. Alors pi retiré alpha, nous gagnons pi by 3. Si nous évaluons, nous pouvons 2 pi sur 3. Ça c'est valeur theta. Alors, nous avons complexe number de trigonometric form, z pour venir a cos of theta plus I sine of theta. Alors, z pour venir valeur R ici, les 4 fois cos of theta, theta les 2 pi sur 3, plus I sine theta les 2 pi sur 3. OK, ça c'est partie A. Next, nous répondons partie B. Hence or otherwise, find the square roots of negative 2 plus 2 root 3i. Alors, l'indice square roots. Right, on a 2 square root plus ou minus. Nous pouvons besoin prendre tous les deux, l'élément de tous les deux. Alors, nous avons root plus ou minus square root de négative 2 plus 2 root 3i. OK? Alors, nous sommes capables de redire comme ça. Nous n'apprenons comment faire, mais l'indice hence. Nous allons essayer de servir nos résultats là-haut. Là-haut, qu'est-ce que nous faisons un complexe number in the trigonometric form. Mais le plus facile, c'est de exponential form. Mais nous avons information, nous avons besoin de R. Nous avons R, nous avons valeur theta. Quand nous faisons ce complexe number là, de exponential form, nous venons comme ça, R e power I theta. Alors, nous venons plus ou minus, valeur R, ici nous modulons 4, e power I theta, 2 pi sur 3. OK, next. Nous quittons plus ou minus. Next, on a 4 e power I, 2 pi sur 3. Et square root, comme vous connaissez, ça c'est power half. OK, next, il vient plus ou minus. À ce half là, power half là, nous pouvons porter à 0 avec tous les deux. Il vient 4 power half fois e power I 2 pi by 3 power half. Allez, nous continuons. Qui est-ce que vous venez? Plus ou minus 4 power half, il vient 2 power 2 power half. Fois, ici, nous appliquons power law, il vient 2 pi sur 3, que nous pouvons multiplier par half. Il vient plus ou minus ici, 2 avec 2 coupé, il vient 2. Fois e power 2 et 2 coupé, leaving I pi by 3. Alors là, vous pouvez trouver que nous pouvons gagner deux réponses. Nous pouvons gagner un coup qui peut venir 2 e power I pi by 3. Et deuxième, nous pouvons venir négative 2 e power I pi by 3. OK, next. Là, ce que nous pouvons faire, nous pouvons besoin de nos réponses. Nous pouvons besoin de référer leaving dans nos x plus i y form. Alors comment nous pouvons référer dans nos x plus i y form? Right là, nous connaissons nos modulus, n'est qu'un petit plus ou minus ça, c'est ça plus ou minus ça, liste intact. Parce qu'on a deux réponses, one pair of answers, parce qu'on a square root, nous supposons qu'il y a deux réponses. Alors nous connaissons nos valeurs R et nos valeurs theta ici. Là, c'est pour ça square root là, ok, nos valeurs R ici peut venir 2, nos valeurs theta peut venir pi by 3. Alors si nous reconvertons les valeurs de trigonométrique form, les valeurs plus ou minus,
Rappelle bien, divine. O cos of theta plus I sin of theta. Alors, divine plus ou minus, nous valait E ici dit 2. Ok, divine 2 fois cos of theta, theta li pi by 3 plus I sin de theta li, toujours pi by 3. Alors, qui dit pour venir plus ou minus 2, à ça nous évaluer si nous fait cos de pi by 3, cos of pi by 3, divine half. Plus I, à ce sin de pi by 3, sin de pi by 3, ça lève une root 3 sur 2. Next, ce qui nous peut faire, nous peut expand. Si nous expand, qui dit pour venir, plus ou minus, ça toujours nous quitte intact, mais que nous pousse ça du lambda, 2 fois half fait n, plus 2 fois square root 3 sur 2, il fait toi square root 3, après on a i. Alors, ça c'est nous deux réponses, the square root of negative 2 plus 2 square root 3 i. Question 5, it is given that z is equal to 4 plus 3i and w is equal to iz. Ok, alors ici, nous avons un complex number z. Ça nous connaît de format x plus iy, de 4 plus 3i. Next, nous avons l'autre complex number w, li nous pouvons lire par iz. Alors iz, c'est i fois z, z nous connaît de 4 plus 3i. Next, nous pouvons besoin expand pour nous gagner nous w de format x plus iy. Il vient 4i plus 3i square. Alors il vient 4i plus 3i square. I square vient négative n fois 3 fait négative 3. Alors nous complexe number w peut venir négative 3 plus 4i. Ça c'est w. Next, nous continuons. Question partie A. Find modulus de z. Alors nous commençons à organiser. Partie A. Nous répondons première partie. Nous rôde modulus de z. Ça nous gagne par positive square root de x component de 4. Ce square plus y component, ou soit real part, il 3 ce square, ça provient 5. Next, deuxième partie, il demande argument de z. Argument de z. 4 plus 3i, ça complexe number là, il peut de first quadrant. Alors, si de first quadrant, theta provient alpha même. Et alpha, nous gagne l'hypothèse tan inverse de imaginary part, nous prenons 3 sur 4. Et si nous évaluons tan inverse de 3 sur 4, et bien question 5, 3 sur 4. Ça, nous pouvons mettre nos réponses en degrés ou soit radians, je décide des autres. Ok, en degrés, je peux trouver 36.9 degrés. Ça, 36.9 degrés. Next, troisième partie qui nous demande. Troisième partie qui nous demande, modulus de W. Alors, modulus de W, tu peux gagner par, et W nous en lit. Modulus, ça, tu peux gagner par positive square root 2, real part, négative 3 sur square, plus imaginary part, 4 sur square. Réponse pour venir toujours 5. Et quatrième partie, nous demandons argument de W. Argument de W. Ok, W, comment il était? Ça, il peut être second quadrant. Et de second quadrant, nous avons fait 180 degrés. Retirer alpha. Alors, il vient 180 degrés. Retirer alpha, nous pouvons gagner par tan inverse de 4 sur 3. Alors, si nous évaluons tan inverse de 4 sur 3, il fait 53.n. Et si nous faisons 180, retirer 53.n, nous répondons sous 126.9 degrés. 126.9 degrés. Next, partie B qui est demandée. On the same diagram, represent Z and W. Ok, dans le même organe diagramme. Ça, c'est nos real axis. Real axis. Ça, c'est nos imaginary axis. Ok. Alors, nous, complexe number Z, est 4 plus 3i. Alors, c'est 4 ici. Ça, c'est 3. Alors, 4 plus 3i, ça, c'est nous, complexe number Z. Next, W, quand nous évaluons, nous trouvons négative 3 plus 4i. Négative 3, négative 3 ici, au bout de négative 3. Ok, négative 3. Après, il y a plus 4i. Ok, c'est 4 ici. C'est plus 4i, il y a un petit kit là-haut là. Ça, c'est W. Ok, ça, c'est W. Négative 3 plus 4i. Next, qu'il y a, describe completely the geometrical effect of multiplying z by i. Quand nous multiplions z par i, nous gagnons W. Et bien, quand nous multiplions z par i, nous gagnons W. Mais ça, il a qui l'effet d'infaire le sa z là. Alors, nous avons un complexe number z. Quand z est là, il y a depuis origine, il y a z côté était. Si nous visons une flèche ici, il y a z côté qui direction il était et côté ça, il est situé exactement. Next, nous prenons z là, nous fois par i. Ok, ça, il fait là, quand nous fois par i, nous gagnons W. La W là, nous trouvons qu'elle est ici. Ça, c'est W. Ok, ça, c'est W. Next. Et j'avais qui l'effet ça, il a une fait avec sa Z là pour nous gagner W. Nous trouvons qu'il s'allie 90 degrés. Ok, parce que
4 plus 3i et négatif 3 plus 4i, vous pouvez trouver angle là pour 90 degrés. Alors, vous pouvez trouver qui sa z là pour l'ivin w. OK, qui geometrical effect, qui ça il a qu'il in fait ça il a ça effect là, ne peut describe ça effect là, il y a 90 degrees anti-clockwise rotation. 90 degrees anti-clockwise rotation. Nous avons besoin de précise nos center of rotation. Li about the origin, about E. About E. Ça, c'est geometrical effect. Ça, nous avons besoin de connaître dans l'examen. Quand on prend un complex number fois par I, il fait 90 degrees anti-clockwise rotation. Il prend ce point-là. Ça, c'est le object point. Il faut faire une image point ici. Il fait 90 degrees anti-clockwise rotation about origin E. Question 6 sur partie A. Write down the modulus and the argument of complex number z is equal to 3i. Alors, nous pouvons écrire ce modulus avec ce argument. Alors, A, ce première partie. Ça n'est assez facile parce que z égale 3i ou 0 plus 3i. Ça, c'est facile d'identifier dans nos organ diagram. Dans nos organ diagram, 0 plus 3i, il trouve ici. Write là, next, depuis origin. Modulus ça veut dire distance depuis origin pour venir ici, 0 plus 3i, avec le distance ça 3, parce que depuis origin, tu as le vertically upward, et distance de 3 units, c'est là que tu peux avoir le code z. Alors, modulus de z ici, il est bien facile, il est 3. Next, argument de z qui est pointé, depuis positive real axis, ça c'est positive real axis, pour le EZ, vous trouvez angle là, il est 90 degrés. Ok, next, deuxième partie qui nous demandait, c'est dire, là on finit pour z, à celle de cause point, complex number W. Alors, W qui était ici, the cos of 120 degrees plus I sine de 120 degrés. Next, nous sommes capables d'évaluer, nous savons une calculatrice, mais calculatrice de mode degré. Nous évaluons, cos de 120 degrés fait négatif half plus I. Next, sine de 120 degrés fait square root 3 sur 2. Alors là, il fait square root 3 sur 2. Next, Aster qui nous demande, root modulus de X argument. Alors, modulus de W pour venir. Positif square root 2, négatif half sur square, plus root 3 sur 2 sur square. Alors nous évaluons, c'est nous faire négatif half sur square, plus root 3 sur 2 sur square. Là nous faisons positif square root, vous pouvez trouver réponse pour une n. Next, c'est nous route argument de W. Argument de W, guette bien comment il était de la libre de second quadrant. Alors pour gagner argument de W, nous besoin prendre 180 degrés. Nous retire valeur alpha. Alors, il vient 180 degrés, retirer alpha pour venir tan inverse de imaginary part, le square root 3 sur 2, divisé par real part, nous prenons positive half. Alors, nous évaluons. Si nous faisons tan inverse de square root 3 divisé par 2, alors ça c'est le numérateur, et le dénominateur est half. Alors, tan inverse pour venir 60 degrés, et 180 retirer 60 faire 120 degrés. Alors, ça c'est argument de W. Next, partie B. In an organ diagram, the complex number z, zw, and z over w are represented by points A, B, and C. Okay? Prove that triangle ABC is equilateral. Au fait, ça c'est une seule question. Right? Là, ça c'est une seule question. Ça c'est partie B. Nous avons besoin de prove que triangle ABC lien equilateral triangle. Alors, comment nous pouvons choquer lien equilateral triangle? Alors, qui ben information là? Nous avons pour Z ce modulus et argument. Nous avons pour W aussi nous avons. W ce modulus, nous avons N. Et ce argument aussi nous avons. Argument de W diffère 120 degrés. Next. À ça nous parlons de ZW et Z over W. Alors nous avons ZW. Alors si nous pouvons faire Z fois W, nous avons ce modulus et argument ça. Parce que le modulus de ZW, nous pouvons gagner ça nous apprendre qu'il devient modulus de Z fois modulus de W. Et que modulus de Z dit 3 fois modulus de W dit N, 3 fois N fait 3. Next, si nous avons un argument de Z fois W, il peut venir argument de Z, ici il vient plus argument de W, argument de Z, li, comme nous avons dit, li 90 degrés, plus argument de W, li 120 degrés. Next, nous évaluons, si nous faisons 90 plus 120, il fait 210. Ça devient 210 degrés. Alors, nous pouvons gagner modulus de ZW avec argument de ZW. Next, nous parlons de Z over W. Alors, ça, si nous redonnons un petit peu pour lui, ça nous apprend que Z over W, ce modulus, c'est pour une modulus de Z, divisé par modulus de W.
modulus de z est 3, divise par modulus de w est n, 3 sur n fait 3. Next, si nous avons gagné argument de z over w, ça va être argument de z, retirer argument de w. Argument de z est 90 degrés, retirer argument de w est 120 degrés. Et si nous faisons 90 retirer 120, il fait négative 30 degrés. Alors, ça nous prend tout ça comme information là pour travailler. Allez, nous intéresser avec trois points. Allez, premier point, c'est Z. Ça nous représente par A. Alors, ça, c'est nous information pour A. Qu'est-ce là? Ça, c'est nous information pour A. Next, pour point B. OK, point B, c'est ZW. Qu'est-ce là? Ça, c'est B. Semaine modulus, c'est argument. Next, point C, Z over W, c'est ici. Alors, nous pouvons prouver qu'il y a un equilateral triangle. Alors, comment nous capable faire ça? Nous capable c'est prendre N. Organe. Nous allons prendre un organe diagramme, c'est plot ça man point là. Alors ça c'est nos organe diagramme. Alors qui nous capable observer de ça trois points là, point A, point B avec point C, ou trouver c'est un même modulus. Modulus c'est distance depuis origine. Alors distance depuis origine n'est pareil. Mais angle là nous pouvons en connaître, pour Z est 90 degrés. Alors une distance de 3, vous parlez 90 degrés, veut dire au point positif via l'axis, veut dire ça c'est point A et que cette distance ici est 3. OK, next nous allons pour point B. Point B toujours modulus c'est pour 3 mais angle là 210 degrés. Alors 210 degrés c'est ici il fait 180 degrés. OK, nous allons point tigit. Alors si nous allons point tigit, c'est 210 c'est pour venir par ici. OK, ça vous allez pour venir 210 degrés mais distance allez pour pareil pour 3, ça c'est point B. Alors c'est dit 210, regardez bien. C'est 210, nous fait 210 degrés, parce que 210 c'est pour venir total, depuis positif via l'axis pour venir la ligne OB, ça dit 210. Si nous tirons 180 degrés, nous capable gagner ça petit bout d'ici là. Alors nous fait 210, retirer 180, et si nous fait 210, retirer 180, nous fait 30 degrés. Alors ça petit bout ici là, 30 degrés. Next, nous avons le point C. Point C, c'est qui représente par Z over W, ce modulus est toujours les 3. Argumental négatif 30. Veut dire depuis positif via l'axis, négatif 30. OK, négatif 30. Ou pour finir, trouver une infinie erreur de partie B. Parce que ici, get argument là, ligne dépasse 180 degrés. Veut dire sa réponse là est une infinie erreur. OK, au finir, il y a une idée là. Ligne 210 degrés. Alors, il n'est pas supposé dépasse 180 degrés parce que nous n'avons pas qui argument. Ce range, c'est entre négatif 180 à 180 degrés. Alors, sa réponse là, pas bon. Qui nous pouvons faire? Nous pouvons tirer 3 sur 60 degrés. Ali. Si nous faisons 210, retirer 3 sur 60 degrés, il fait négatif 150 degrés. Ça, il fait négatif 150 degrés. Ça qui vient de te répondre. OK? Right, ça c'est pour partie. B, ça veut dire que tu demandes argument de ZW. OK? Il n'y a pas de demande argument de ZW, mais si tu peux demander, là, nous pouvons tirer. OK? Alors, là, il dépasse 180 degrés. Là, au fait, il est négatif 150 degrés, mais il est positif via l'axe, soit clockwise. OK, 150 degrés, ou arrive côté la ligne OB. Allez, nous concentrer le C. C, ce modulus, c'est 3, mais angle est négatif 30 degrés, argument négatif 30, veut dire 30 degrés par là. Ça, c'est 30 degrés, et distance là toujours, il est pour 3 units. Ça, c'est point C. OK, alors, next, il dit prove que triangle ABC est equilateral. Alors, nous pouvons prouver qu'il est équilatéral. Comment nous pouvons faire ça? Avant, nous pouvons joindre mes vertices. Nous avons A, poil B, next. Nous pouvons faire ici, A noir C, next. Ici, nous pouvons joindre. OK, right. Allez, next, ce que nous pouvons faire. Nous pouvons prouver que ce triangle-là est un equilateral triangle. Comment nous pouvons prouver qu'il y a un equilateral triangle? Alors, qui ban properties de un equilateral triangle? Alors, property un equilateral triangle, c'est tout ce ban angle si vous avez 60 degrés ou ce ban side si vous avez même longueur. Alors, nous ne pouvons pas travailler avec angle. Il est bien facile pour travailler avec angle. Ici, ça est 3. Pas oublier sa distance, ça est 3. Alors, nous travaillons avec angle. Il est bien facile. Alors, comment nous pouvons faire ça? Alors, nous devons prouver que tout ce ban angle là, tout ça va en angle là, il est pour besoin 60 degrés. Au fait, nous finissons prouver parce que center là, qui est sa distance là, distance depuis center, il est 3, 3, 3, ok, il est même point depuis center, ou bien que c'est la ligne, ou bien tu vois, il est vertice, il est 3. Alors, il finit équilatéral, mais si on veut prouver bien, d'après property N, equilateral triangle, nous passe pas angle. Alors, ici, il est 90 degrés. Si nous regardons bien, tout ben triangle, sa triangle à gauche là et à droite là, il est identique.
vous trouvez des coupons identiques. Ça veut dire ça dit 3, 3, ça veut dire qu'il devient un isosceles triangle. Alors ici, il devient 30 plus 90, 30 plus 90 fait 120 degrés. Et si nous faisons 180 degrés, nous retirons 120 degrés, nous divisons par 2. Right? 180 retire 120, fait toi 60, divisé par 2, fait 30 degrés. Alors ici, il devient 30 degrés, ici, il devient 30 degrés. Ok, alors tout ça, un angle là, il devient 30 degrés. Qu'est-ce que je peux indiquer ici? Ça devient 30 degrés. Ici aussi, ça angle ici, là, devient 30 degrés. Ok, next, nous sommes capables de gagner ça angle. Alors ici, vous devient 30 degrés parce que je veux dire que le triangle là, il est identique. Ici aussi, devient 30 degrés. Ok, next, nous avons ça triangle en bas là. Ce triangle en bas là, nous trouvons ici 3, 3, veut dire qu'il y a un isosceles triangle. Nous sommes capables de gagner ça angle au milieu là. Comment nous pouvons faire ça? Ça vous donne 30 degrés. Ça ici là, 30 degrés. Alors pour gagner un angle ici là, nous faisons 180, retirer 30 plus 30. 30 plus 30 fait 60, 180 retirer 60 fait 120 degrés. Alors il y a 120 degrés. Et si nous voulons gagner ça détier angle en bas là, ok, il y a un isosceles triangle, nous faisons 180. Retirer 120 divisé par 2. 180 retirer 120 fait 60 divisé par 2 fait 30. Alors ça, deux angles ici là, vient 30 degrés. Alors nous pouvons prouver ici, vient 30 degrés. Ici aussi, vient 30 degrés. Alors, quelle conclusion nous peut tirer? Dans nos triangles ABC, ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C, qui nous peut observer? Côte A, 30 plus 30 fait 60. Ici, vient 60 degrés. Next, côte B, que tu nous trouvais? Code B, divine 30 plus 30 fait 60 degrés. Ici aussi, divine 60 degrés. Next, code point C, 30 plus 30. Ici aussi, divine 60 degrés. Alors, l'infini prouve que triangle ABC is equilateral. OK, triangle est equilateral parce que tout ce même angle est 60 degrés. OK, right? Astère, comment on explique ça? Une autre façon, tu peux prouver. Right? The triangle là, comment on trouve center? Ce triangle là, pour point E. OK, parce que distance ici dit 3, distance ici dit 3, distance ici dit 3. Alors un triangle qui depuis center au périspène diagonal, si tout ce même distance dit pareil, il finit équilatéral automatique. Mais si nous essayons prouver que tout ce même interior angle est 60 degrés, alors nous finit confirme que triangle ABC est équilatéral.